Bonjour, ici Monsieur Christopher, instructeur karaté sportif. Je suis ici pour faire le cours Évolution avec toi. Alors, j'espère que tu es en forme à la maison. J'espère que tu bouges quand même, que tu bouges dehors, que tu vas à l'extérieur, que tu fais des jeux en famille. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du karaté. Alors, j'espère que tu es prêt. Est-ce que tu es en forme? Oui, monsieur! Excellent! Prépare-toi pour la position. Position! Point droit dans la main gauche. On salue. Et fais exactement la même chose que moi. Petit échauffement articulaire. Fais la même chose que moi. Je ne dis rien. Oui, j'écoute bien mes parents. Non, je ne fais pas de crise. Oh, ici. Fantastique. Fais la même chose que moi. Exactement pareil. Excellent. Super. Bouge le bras ici. Et les genoux. Excellent. Pousse en écoute. Est-ce qu'on est prêt pour notre premier exercice? Oui, monsieur! Super! Alors, super simple, quand je vais dire go, tu vas devoir courir le plus vite possible. Si tu veux un défi, tu peux même lever les genoux le plus haut possible. Quand je vais dire stop, tu fais la position combat, ha! Avec un super kiai. Fais attention pour ne pas faire trop le saut à tes parents. Prépare-toi, quand je vais dire go dans 3, 2, 1, go! C'est parti! Alors, cours, 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 cours! Attends plus vite! Allez, allez, vas-y, c'est parti! Alors, prépare-toi à arrêter! Stop! Ha! Excellent! On fait une deuxième fois. Est-ce qu'on va moins vite ou plus vite? Plus vite, super, prépare-toi à aller plus vite en 3, 2, 1, c'est parti, go! Fou! Allez, allez, cours, 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 et stop! Ah! Excellent, et on y va pour la dernière fois, tu dis meilleure fois, attends plus fort. Dernière fois! Excellent, et 3, 2, 1, go! C'est parti! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop! Ah! Excellent, position, et tout le monde, on s'applaudit, super! Position d'écoute et tu répètes après moi. Concentrez les yeux. Concentrez l'esprit. Concentrez le corps. Excellent. Prépare-toi. Cette fois-ci, on y va pour notre deuxième exercice. Ce n'est pas un exercice, c'est une technique. Tu ouvres les jambes, pousse ton cavalier. Plie les genoux. Place un poing devant, une main sur le côté. Assure-toi que ton pouce est toujours à l'extérieur. Et quand je vais dire go, tu fais les punches sans arrêt. À ton plus fort. Prépare-toi à ton plus fort. 1, 2, 3, go! C'est parti. Punch. Punch, 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 et stop! Oh, bouge plus! Statue! Je ne l'avais pas dit la consigne, mais toi, tu es un karatéka, tu es toujours prêt, alors tu es prêt à écouter du premier coup. 3, 2, 1, go! Punch, 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 et stop! Statue! Bouge plus! Et on y va pour une dernière fois! Excellent, mais j'ai rien entendu, faut le dire plus fort. Dernière fois! Excellent, et 3, 2, 1, go! Punch, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop! Ouh, statue, et super position! On dit super, réussi, gagné! Pousse à l'écoute, excellent! On y va cette fois-ci pour notre première technique. Notre première technique, on va faire deux coups de pied. Mais avant les coups de pied, on doit s'étirer, pas le choix, pour ne pas se blesser. Et pour pouvoir faire nos coups de pied encore plus haut. Parce qu'au karaté sportif, jamais moins, toujours plus. Alors prépare-toi, on ouvre les jambes plus grandes que les épaules. Tu prends les deux mains, tu descends sur un pied. Tu gardes la jambe droite, très important. Et 5, 4, 3, 2, 1. On relève et on descend sur l'autre pied. Prends les mains et on descend sur l'autre pied. Descends à ton meilleur, garde toujours la jambe droite. Tu descends à ton maximum. Et 4, 3, 2, 1. On relève et on descend devant. On garde le dos droit et les jambes droites. C'est parti. Ici, à ton maximum et tu respires pour pouvoir descendre encore plus bas. 4, 3, 2, 1. Super. Position d'écoute et montre-moi que tu es prêt en répétant plus fort que moi. Contrôle. Confiance, concentration. Excellent, et fais la même chose que moi. Position, position combat. Ah, super, ne bouge pas, regarde bien ce qu'on va faire. Avec la jambe qui est à l'avant, tu devras faire ton coup de pied avant. Coup de pied de révision, ceinture, apprenti. Alors, coup de pied avant, hop, ici. Par la suite, tu tournes les hanches pour faire ton coup de pied côté. Tu lèves ton genou, coup de pied côté et tu te replaces. Tu as les mains en garde pour avoir un bon équilibre et pour protéger ton bedon. Eh oui. Alors, si tu es prêt, tape deux fois dans les mains. Deux fois sur les cuisses. Et tu as les mains en position de con. Bah! Excellent. Alors, prépare-toi. Quand je dis go, coup de pied avant, coup de pied côté. C'est parti. Go! Avant. Côté. Excellent. Tu te replaces, tu ne bouges plus. Tu montres que tu es prêt. C'est parti. Deuxième fois. Go! Avant. Côté.
Excellent. Tu veux toujours aller plus haut, plus vite et plus fort. Excellent. Tu as toujours les bonnes réponses aux questions. C'est parti. Go! Avant. Côté. Et attention, on le fait une dernière fois, meilleure fois, avec des super quilles. Deux super quilles. 3, 2, 1, go! Ha! Ha! Excellent, prépare-toi à faire de l'autre côté. Qui va être le plus rapide pour le switch? Toi ou moi? Switch! Ouf, tu étais super rapide, mais moi je pense que tu peux être encore plus rapide pour le double switch. Prépare-toi. Et... Non, reste prêt. Double switch! Ha! Ha! Excellent, les mains sur ton garde. Jambes avant toujours. Coup de pied avant, coup de pied côté. Les mains en garde et c'est parti. 1! Avant. Côté. Excellent, tu as les mains en garde pour un bon équilibre. Go! Avant. Côté. Et une troisième fois. Go! Avant. Côté. Et une dernière fois. Excellent, tu as toujours les bonnes réponses. Go! Ha! Ah, il manquait les quilles. Ça, c'est vrai. Alors, on le refait une autre fois avec des quilles. Go! Ha! Ha! Excellent. Position. Position d'écoute. Je suis fort. Je suis bon. Je réussis. Position d'écoute. Super. Prépare-toi, on fait notre deuxième technique. Pour la position plus rapide que moi. Bouge une main. Bouge l'autre main. Bouge les deux mains. En dessous des bras. Oh non. Ça, c'est les singes qui font ça. Position. Position combat. Ha! Prépare-toi. Notre deuxième coup de pied, le coup de pied en rond. Cette fois-ci, on va devoir pointer le pied, pointer les orteils et tourner les hanches, évidemment. Oui, il faut lever à notre maximum, ça c'est sûr. Les mains sont en garde. Je lève. Coup de pied en rond. J'ai les mains en garde pour avoir un bon équilibre. Alors prépare-toi, c'est à ton tour de le faire à ton maximum avec moi. C'est parti, go! Kick! En même temps, on va dire kick! Prépare-toi, go! Kick! Super! Troisième fois, go! Kick! Et dernière fois avec un super kiaï, prépare-toi, go! Ah! Et switch! Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais compter, tu le fais à ton maximum. Je ne le fais pas, je te laisse faire seul. Prépare-toi. 1, 2, 3, et un quatrième avec un super kiaï. Attention, 4, excellent position. Et avec ça, il nous reste un dernier coup de pied. Dernier coup de pied, meilleur coup de pied, dernier coup de pied. Excellent, toujours à ton maximum. Tu fais la même chose que moi. Position combat. Ha! Excellent. La jambe qui est à l'avant. Même chose. Tu lèves le genou. Tu allonges. Et tu plies, ramènes le talon à la fesse. Tu redéposes par la suite. C'est tout. Alors, le coup de pied, crochet, tu l'avais bien deviné. Alors, tout ce que je fais, je lève, allonge, je ramène et je redépose. C'est tout. Tu le fais, évidemment, à ton maxi. Super. Prépare-toi à le faire. Quand je compte, tu dis crochet. En le faisant évidemment. Prépare-toi. Go! Crochet! Excellent! Ton maximum. Go! Wow! Que c'est beau! Continue à avoir les mains en garde. Go! Et super! Et une dernière fois, avec un super duper méga kiaï. Prépare-toi. Tu dois le faire plus fort si ton frère ou ta sœur est avec toi. Il faut que tu le fasses plus fort. Prépare-toi. Si jamais tes parents sont avec toi, tu dois le faire plus fort que tes parents. Et les parents, on ne laisse pas gagner. 3, 2, 1, go! Ah, excellent! L'autre côté, switch! Double switch! Ha, ha. Les mains sont en garde, même chose de l'autre côté. Est-ce qu'on est toujours en forme, monsieur? Super! Et on n'oublie pas de tourner, de faire notre coup de pied à notre meilleur. C'est parti! Go! Crochet! Et go! Crochet! Et go! Dernière fois, notre maximum avec un super kiaï. Est-ce qu'on est prêt, oui, monsieur? Et go! Wow! Position. Position d'écoute et tout le monde, on s'applaudit très fort. On est vraiment, vraiment super, super bon et on est en forme, vraiment. Et on a plein d'autres choses à faire. Prépare-toi. Est-ce que tu es prêt, oui, monsieur? Si tu es prêt, tape deux fois sur les coudes, sur les genoux, sur les tibias. Et tu regardes M. Christopher dans les... Excellent. Position d'écoute. Position. Position d'écoute. Et on s'assoit contrôle. Ah, je voulais voir si tu étais bien concentré. Alors, reste assis et je te montre cette fois-ci la technique défi.
Alors, la technique des filles, regarde bien. Tu t'assures d'avoir toujours beaucoup de place autour de toi et principalement de ne pas avoir des bas pour ne pas glisser. Hein? Comme c'est ici, comme alors, disais, donc... assure-toi d'avoir de l'espace devant toi et non derrière toi. Alors, tu te places ici. Tout ce qu'on va devoir faire, tu vas devoir faire un saut vers l'avant. Par la suite, faire un saut split, le double coup de pied. Prépare-toi à revoir ça. Regarde bien. Donc, tu vas faire la position. Si tu veux, tu vas pouvoir sauter sur le bout des pieds, comme c'est ici. Et à chaque fois que je vais dire go, tu vas devoir faire un saut vers l'avant et saut split. Alors, toi, tu dois sauter à ton plus haut, évidemment. Alors, est-ce que tu es prêt à le faire à la maison? Oui, monsieur! Excellent! Prépare-toi à te lever. Un, deux, haut. Attention, quand je vais dire confiance, tu dois te lever le plus vite possible. Ah oui, lever debout, évidemment. Prépare-toi. Confiance! Position! Et on saute sur le bout des pieds. Saute sur le bout des pieds, c'est comme ça. Excellent. Prépare-toi. Je vais dire go dans 3, 2, 1, go! Saute split! Excellent! Et on le refait une deuxième fois parce qu'on est meilleur dans ce qu'on pratique le plus. Mais oui, prépare-toi une deuxième fois. Go! Oh, wow! Un vrai karaté kid. Et prépare-toi dans 3, 2, 1, go! Excellent! Et on le refait une dernière fois. Et tu peux même mettre un kai. Moi, je ne le ferai pas. Mais toi, tu peux le faire à ton meilleur. Attention! 3, 2, 1, go! Super position! Pousse en écoute. Prends 3 grandes bonnes respirations. Très important, après avoir bougé, après avoir fait de l'activité physique, il faut prendre 3 grandes respirations pour bien oxygéner ton corps, pour reprendre toute l'énergie, pour pouvoir continuer à devenir un super champion. Eh oui, et non un super champignon. On garde le champignon pour la pizza. Donc, prépare-toi pour la position. Position! On ouvre les jambes. Cette fois-ci, on est là pour une course. On prend une main. On ferme les doigts. Pousse. Fou, fou, fou. Main sur le côté, main devant. Prépare-toi. Quand je vais dire go, tu vas devoir faire la course des coups de pied. Alors, quand je dis go, un coup de pied après l'autre, ici, devant, et tu dois évidemment viser le milieu. Hop, hop, ici, à ton maximum. Alors, quand je vais dire stop, ha! C'est tout. Alors, quand je dis go, coup de pied sans arrêt. Quand je dis stop, ha! Tu ne bouges plus. Attention d'avoir les pieds un peu plus grands que les épaules. Prépare-toi dans 3, 2, 1, go! Et stop! Ah oui, moi je ne fais pas le kai, mais toi tu le fais à ton maxi! Mom! Excellent! 3, 2, 1, go! Kick! 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 Et stop! Attention! Go! Oh, ça se peut que j'aille un peu plus rapide! Stop! Go! Stop! Go! Et stop! Et on le refait une dernière fois! Meilleure fois! 3, 2, 1, go! Kick! Kick! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop! Tout le monde, on s'applaudit très fort. Position d'écoute. Maintenant, on est rendu au jeu. Le jeu de fin de cours. Alors, tu as 20 secondes pour trouver un coussin à la maison. Prends évidemment un coussin que papa et maman, pas leur préféré coussin, avec des petites paillettes ou quoi que ce soit comme ça, parce qu'on va faire du karaté sur le coussin. Eh oui, du karaté sur le coussin. Alors, prépare-toi, il te reste 10 secondes pour aller chercher un coussin. C'est parti, go! Oup! J'ai mon petit coussin ici, karaté sportif. Fouah! Un super coussin. Ici, comme ça. Alors, avec le coussin, super simple, pour bien écouter, tu dois devoir t'asseoir. Le placer devant toi, mettre les mains sur les genoux, tout droit, comme une ceinture noire. Alors, toi, tout ce que tu vas devoir faire, quand M. Christopher va dire « go », tu vas devoir prendre ton coussin. Par la suite, tu vas devoir faire un coup de poing dessus. Fou, sans arrêt. Deux. Tu changes de main. Un, deux. Je change de main. Un, deux. Moi, je trouve ça trop facile. Je peux, hop, le lancer. Un, deux. Hop, le lancer. 1, 2, je dois faire attention de ne pas le lancer très loin et de casser le vase préféré de papa-maman. Mais non, alors je dois le lancer un peu avec contrôle. Eh oui, je dois utiliser mon contrôle, un des pouvoirs de la ceinture noire. Alors, j'ai ici, alors quand je vais dire go, tu lances 1, 2, combien de coups de poing? 2 par main. Alors, quand je dis stop, choup, je m'assois sur mon coussin comme une ceinture. Noir.
Excellent, tu as bien réussi. Alors, c'est à ton tour, cette fois-ci, d'être un champion. Est-ce que tu es prêt, oui, monsieur? Excellent, alors, tu as ton coussin? Si je... Prépare-toi. 1, 2, 3, go! C'est parti! Alors, on prend son coussin. 1, 2, on essaie, on lance, hop, on le prend. 1, 2, on le prend sport. 1, 2, hop, 1, 2, et stop! On s'assoit, bien ici, contrôle. Excellent, tu as bien réussi. Prépare-toi, on le refait une deuxième fois. 1, 2, 3, go! C'est parti! Allez, on lance. 1, 2, on lance. 1, 2, on lance. Hop, 1, 2, yep, hop, et stop! Et si moi, ça arrive que, ah, je l'échappe, est-ce que c'est grave? Non, monsieur, parce que moi, même si je l'échappe, est-ce que je peux le reprendre? Je le reprends et je continue par la suite. Et oui, je dois persévérer. C'est comme ça qu'on devient ceinture noire. Prépare-toi. On le refait une dernière fois. Meilleure fois. 3, 2, 1, c'est parti. Go! Punch, punch! Hop, hop, on essaie. Tout le monde, on essaie de lancer. Oh, on lance. Punch, punch. On lance. Punch, punch. On lance. Punch, punch. Et stop! Excellent. Et tous les amis, on s'applaudit très fort. Alors, après avoir joué comme ça, après avoir joué excité, hein, comme ça, est-ce qu'on peut rester excité? Non, monsieur, tu dois revenir au calme. Peut-être que tu dois faire tes devoirs, peut-être que tu t'en vas souper, peut-être que tu t'en vas faire un jeu de société et que tu ne peux pas être excité. Alors, toi, tu dois revenir au calme. Un truc, c'est la méditation. Parce que karatéka est très fort, mais c'est aussi se calmer et se relaxer. Donc, pour ceci, j'ai mon petit bol. Ici, un bol chantant. Ceci, c'est pour aider à la méditation. Alors, pendant que je vais le mettre ici, toup, hop, alors comme ça, tu peux te placer soit à genoux, alors juste ici comme ça, ou si toi tu préfères, tu peux te placer assis. Donc, si même toi tu préfères, tu peux même te placer couché si tu veux. Ben oui, tu peux. Tu prends la position que tu as favori. Alors, moi, ma position favorite est la position à genoux. Alors, je me place ici. Je m'assure que mon dos est droit. Je m'assure que ma tête est alignée à ma colonne vertébrale. Qu'est-ce que je dois faire pour commencer la méditation? Je dois prendre 3 grandes inspirations. Et contrairement comme on dit d'habitude, on doit inspirer par le nez et expirer par le nez. Si ton nez est bouché, par la bouche. Hein? Alors, on ne fait pas tout sortir ce qu'il y a dans le nez. Donc, toi... Tu es ici. Tu prends 3 grandes respirations et tu te concentres sur le bol. Hein, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça fait ce son-là? Peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être que non. Alors, je vais le faire une fois juste pour que tu l'entendes. Écoute bien. Est-ce que tu l'entends? Alors, je vais l'arrêter. Alors, toi, tu vas devoir, pendant ta méditation, te concentrer sur le bol et... Pensez à une chose que tu aimes beaucoup. Ça peut être tes parents, ça peut être les mathématiques, ça peut être l'école, ça peut être une fleur, ça peut être n'importe quoi. Alors toi, tu prends ce que tu adores le plus au monde et tu penses à cette chose-là. Et tu écoutes le son du bol, tu fais les grandes respirations avec tout ça et ça va t'amener au calme. Est-ce que tu es prêt, monsieur? Excellent, prépare-toi, prends ta position. Et ferme les yeux. Prends 3 grandes inspirations par le nez. Expiration par le nez. Et c'est parti. Tu penses à ce que tu adores. Tu ne penses qu'à ceci. Et tu écoutes le son du bol, les vibrations. Ça peut être aussi un peu comme l'océan. Le bol le plus longtemps possible. Écoute-le. Reste concentré pour bien l'écouter. Et qui l'entend encore? Et super. Les amis, est-ce qu'on a été bon? Oui, monsieur. Excellent, tu peux ouvrir les yeux si jamais tu ne les avais pas ouverts. Alors, après une méditation comme ça, ça va ramener au calme et ça va te recentrer pour faire les choses prioritaires
en premier lieu. Alors, j'espère que tu as aimé le cours aujourd'hui et moi, j'ai adoré faire le cours avec toi. J'espère pouvoir en refaire encore et encore parce que, comme on dit au karaté sportif, jamais moins, toujours plus de bonnes choses. Alors, tous les amis, je vous dis passez une très belle journée et bon confinement!